Hello everyone and welcome to apprendrelanglaisrapidement.fr. I'm Lara and today I'm going to teach you something new. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des chiffres en anglais de 1 à 1 million. Donc savoir compter en anglais, c'est très important. Donc comment fait-on Les chiffres en anglais de 1 à 1 million, répétez après moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 jusque là pas trop de difficultés après 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 alors il faut savoir que les américains disent 20 et pas twenty mais c'est pareil donc voyons voir du côté des dizaines 10 20 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, million. Donc si vous devez joindre les dizaines et les unités, vous mettez un petit tréma entre les deux. Donc 21, 22, etc. Donc remarquez que pour le 40, vous mettez bien un O et pas OU. Donc, quelles sont les autres choses qui sont très importantes à savoir? En anglais, quand vous parlez de décimales, vous utilisez le point et vous l'appelez point. Donc, 1,2 se dira 1.2. Si vous parlez de dollars ou de livres sterling, vous allez utiliser le dollar et la livre sterling. Après. Donc, par exemple, si cela coûte 4,50 euros, vous allez dire. It cost four euros 50. Donc pour les chiffres, il faut aussi savoir qu'en Angleterre nous avons les pence pour les centimes et en Amérique les cents pour les centimes. Autre chose d'important, si on fait des décimales avec le point, alors à quoi sert la virgule en anglais Je vous le dis dans le mille, la virgule en anglais sert au millier thousand. Donc si vous écrivez One hundred thousand, vous allez écrire cent virgule zéro 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 one hundred thousand. Une autre chose qui est intéressante, c'est que quand vous dites les chiffres en anglais, vous mettez le petit end devant les dizaines et s'il n'y a pas de dizaines, devant les unités. Par exemple, si vous dites cinq cent cinquante-six, vous allez dire five hundred and fifty 500 et six vous allez dire 500 and 6. Donc ne pas oublier le petit and. Autre chose, quand vous parlez de centaines ou de milliers et qu'il est suivi par autre chose, vous ne mettez pas d's. Par exemple, 800 and 55, malgré qu'il y a 800, on ne met pas de s. Par contre, it cost me 800s. Si c'est à la fin, là, euh, il faut le mettre. Autre petite chose, quelle est la différence entre point, full stop et dot en anglais Donc le point, comme je vous l'ai expliqué, c'est la décimale, ça se dit point. Full stop, c'est la ponctuation, le point qui se met à la fin de la phrase, donc on dit full stop. Et le dot, c'est également un point, mais pour une adresse email. Par exemple, Léonie dot euh, abricot. Uh, at uh, gmail.com you see very easy all right so now i hope that you know a little bit more how to um, use numbers in english j'espère que pour vous les, les chiffres et les nombres en anglais c'est un petit peu plus tôt clair. Maintenant j'aimerais bien que vous mettiez un petit like, un petit souscrire. Voilà, ça fait toujours plaisir et que vous alliez voir l'article en entier parce que je vous donne un petit exercice interactif que vous pouvez faire là pour voir si vous avez bien tout retenu. Donc je vous dis Talk to you later. Happy English learning. See you later. Bye bye.